Et les amis, c'est Brasier votre gamin favori, on se retrouve donc pour notre nouveau let's play de Uncharted The Lost Legacy, donc c'est la partie 15. Et voilà, donc c'est parti pour vivre encore de nouvelles aventures avec nos deux espionnes préférées, donc voilà, qui sont assez hard, les missions certaines sont très dures. Bon, vous voyez qu'au bout d'un moment j'arrive quand même à les passer, donc c'est pour ça que le let's play dure un peu plus. Et donc voilà, donc j'espère que celui-ci vous plaira. Donc sur ce, je vous laisse, on se retrouve comme d'habitude à la fin de la vidéo. À tout à l'heure. Écoute, je suis pas très douée dans ma relation avec les gens. T'es qu'une conne égoïste. Ouais. T'as raison. Je suis qu'une conne égoïste. Ouais. Ça fait du bien de l'entendre. Alors, t'as entendu ça, papa? J'ai finalement hérité d'un peu de toi. Il est arrivé quoi à ton père? Il était du genre à jamais rien lâcher. Le ministère de la Culture lui a proposé de financer une autre de ses expéditions. Parce que cette fois, il était sur un gros coup, comme il disait. Il était toujours sur un gros coup. Mais des bandits ont attaqué son campement et ils ont retrouvé son corps des semaines plus tard. Et cet objet stupide, c'est ce qui me reste de lui. Je suis désolée. Oh, ça va. Il a fait ses propres choix. Alors, écoute, Fraser, t'as pas... Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il charge. Dis-lui d'arrêter. Comme si je parlais à l'éléphant. Pourquoi elle était si pressée? Et à propos de Sam... Ça va, j'ai compris, ok? J'ai mes merdes à régler, moi aussi. Alors je te propose de mettre ça de côté. Ok. Ça marche. Allez. Au moins, on aura accompli une bonne chose aujourd'hui. On aura réuni une famille. Garde tes distances. Il y a un petit avec eux. Je sais. Salah affrontant le tigre. On est sur la bonne voie, à mon avis. Ça fait peut-être longtemps, mais dans mes souvenirs, les éléphants étaient plus grands. T'as sûrement l'habitude de voir des éléphants d'Afrique. Là, ce sont des éléphants d'Asie. Sympa, Asaf, de nous avoir laissé des provisions. Fais le plein si besoin. Ça marche.
Là-haut. Regarde, en haut des escaliers, je vois de la lumière à travers l'eau. Bonjour, Bellour. Tu sais, c'est pas tous les jours qu'on peut admirer une ville que personne n'a vue depuis des siècles. À part Asav. À part Asav. Et une partie de ses hommes. Et une partie de ses hommes. T'es prête? Tu viens de me gâcher ce beau moment. Tu t'en rends compte? Ouais, je suis prête. Comment on entre? Je sais pas. On dirait des habitations sur le côté. Alors grimpons. Pas. On dirait des habitations sur le côté. Alors grimpe. C'est pas inquiète, c'est crédible.
sont sortis jusque-là. Attends un peu. Ils nous ont perdu de vue. Ok, tout le monde se disperse. Vous êtes perdu. Dispersez-vous et cherchez partout.
Vérifiez cette zone. Tu peux pas gagner. Elle est pas là. Vous avez trouvé quoi? Coucou! On les a repérés! Dans les effets! Thank you.
Attends un peu. Un homme à terre par ici. Passeron. On les tient. J'y crois.
sortir. Ok, on y retourne. Voyons où ça nous mène. Encore ici. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer dans la ville. Assav a pas dû trouver d'entrée, alors il s'en est créé une. J'aurais cru qu'Assav aurait plus respecté cet endroit. Assav ne respecte qu'Assav. D'un côté, c'est dommage que Bélour soit caché aux yeux du monde. Maintenant, c'est pourquoi. Un autre dieu? Je dirais que c'est un des rois, Oysala. Ils avaient combien de rois à l'époque? 11. Le jeune roi était le dernier de leur lignée. Son plan a marché. Il a protégé sa ville des Perses. On est déjà venu ici. Ah, bien.
Cameron est déjà venu ici. Il veut revoir au-dessus des chutes d'eau. Ah, bien. D'un côté, c'est dommage que Bélour soit caché aux yeux du monde. Je dirais que c'est un des rois Oysala. Ils avaient combien de rois à l'époque ? 11. Le jeune roi était le dernier de leur lignée. Leur plan a marché. Il a protégé sa ville des Perses. Et voilà, par là-haut. C'est de plus en plus spectaculaire. Et juste pour être sûr qu'on est bien à Bélour, voici le seigneur Shiva. Et Nandi. Et j'imagine que là, c'est Ganesh, du moins, avant qu'il ait tapé le téléphone. Possible. Ça pourrait aussi être Kartikeya, le fils aîné de Shiva. C'est le dieu hindou de la guerre. Ils ont apparemment pris des chemins différents. Bon sang! Ils ont explosé l'entrée! Sûrement une autre entrée. Ils essaient de nous ralentir.
Je suis là, Nadine. Quel drôle de goût. Je les vois. Okay. C'est fait, on y va. Bon sang ! Ils nous ont encore coincés. La ville est grande, il doit y avoir un autre moyen de passer. C'est quoi cet endroit ? Un bain ? Ou un puits ? Peut-être les deux. Regarde, il y a des bulles d'air qui remontent dans le bassin. Bien vu, c'est notre porte de sortie. Hey, regarde là, la reine et ses servantes. C'était peut-être des bains royaux. Des statues de femmes pour changer. Les femmes jouaient un rôle important dans la société Oysala, surtout les reines. Ça m'étonne pas, vu que les rois et les hommes partaient tout le temps se battre. Elles s'adonnaient aussi à l'art, comme la poésie ou la musique. Bellour était leur ville d'une certaine façon. Ça alors, c'est quoi cet endroit ? C'est quoi ? Un ancien manuscrit Canada. On dirait des strophes, peut-être un poème. On dirait. C'est un tambour. Ils conservent toutes sortes de choses ici. Fraser, par ici. Wow. Regarde ça. C'est incroyable. On dirait un genre d'hôtel. On dirait surtout que les rois souffraient pour leur peuple. Ils protégeaient pas juste la défense. Les historiens pensaient qu'elle était un symbole de puissance et de domination, mais je commence à croire qu'ils se trompaient. C'était le symbole de leur peuple, de leur culture. C'était le symbole d'eux-mêmes. Alors c'est quoi ça ? Thank you.
frère est venu ici. Un gros coup, c'est sûr. Pourquoi il m'a rien dit, ce con? Tu l'as dit toi-même. Il voulait te mettre à l'abri. Je peux pas laisser Asav s'emparer de cette défense. Non. Non, pas question. Merci. Tu me remercieras si on sort d'ici vivante. C'est pas faux. Oublie pas Ganesh. Ah. Contente de l'avoir pris. Magnifique. Toute cette splendeur cachée aux yeux du monde. Mais comment on fait pour passer? Pour plonger. Mais ça a l'air profond. Ok. Voilà notre entrée. Mmh.
Merci d'être passé devant. Et pas de quoi. Tu vas bien? Désolée, laisse-moi le temps de reprendre mes esprits et je serai... Hé hey, hé hey Nadine Ross! Oh, ça alors? C'est quoi ce bordel? T'as repris tes esprits, c'est bon? Fais ta maline! À l'œil, tu sais. C'est un peu juste ici. Ah, salut. Bien jolie ville. Bon voilà, nous arrivons au terme de ce let's play. Celui-ci vous a plu, n'oubliez pas de le liker, le commenter et le partager pour me soutenir et soutenir la chaîne. Les amis, car c'est grâce à vous que les chaînes existent, donc vous le savez très bien. Donc, enfin, vous le savez, pardon, excusez-moi, pas très bien, je voulais pas rajouter le mot. Mais bon, vous savez, c'est grâce à vous que la chaîne existe. Donc les amis, n'hésitez pas à le partager. Et sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée, portez-vous bien, à bientôt, bye bye.